Nous sommes très contents de vous retrouver de nouveau aujourd'hui pour le compte de ce magazine, Celebrity Talk. Ce magazine qui vous fait un plaisir à fond. Aujourd'hui, un voyage de nouveau, il s'annonce culturellement. Mesdames, Messieurs, nous sommes très, très chaleureux et nous sommes très sûrs que nous allons vous transmettre cette chaleur aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que je dirais pour illustrer la présence de mon invité? Il faut explorer l'énergie pleine de votre jeunesse. Mon invité a mis la chaleur de son sang dans la musique. Qui peut, oh là là, va parler de la musique sans faire référence également à sa tête. Il est l'un de ces artistes qui se démarque dans sa province. Et pour vous le prouver, il a dit ça. Qui rend les choses impossibles possibles. Qui m'a dit vas-y, tu brûles la tuer ma bénédiction. Voilà, mesdames, messieurs, alors je voudrais également vous dire qu'un talent favori. Il est en fait un talent favori qui fait actuellement la fierté de la province. Il reconnaît avoir vécu beaucoup de choses, une morale à un level supérieur. Résider dans un milieu reculé différent de porter un mental reculé. Il est l'un de ces jeunes qui savent au moins s'est placé sur la liste de grands, c'est qui ont déjà plus d'avance culturellement, et lui-même l'a dit là, en train de dire ça. Alors, il est le king de sa génération, il a dit, mesdames, messieurs, vous comprenez que Bachar Mouyoua, selon lui, mais il faut faire clair, alors qu'ils savent qui il est. Alors, mesdames, messieurs, il est sûr de lui, et lui-même, il dit qu'il est l'un de ceux qui sont meilleurs dans sa génération, il dit ça. Le meilleur de ma génération, oui, qui peut me dire que j'ai tort. Voilà, il est le meilleur de sa génération, personne ne pourra dire qu'il a tort. C'est quelqu'un qui reconnaît avoir reçu la bénédiction de ses parents pour avancer musicalement. Et alors, il est également l'un de ces artistes qui se battent pour que l'art du Lualaba reste en union. Mais au moins, il met en garde les gens qui ne veulent pas de son union. Il s'agit d'une menace ou de quoi? Je ne sais pas. Écoutez ça. Voilà, il est important d'être en union avec lui, chers invités. Alors, il est préférable de varier les niveaux de ce rêve en fonction de la variation des conditions de vie du milieu dans lequel vous résidez. Lutter contre l'invariable est une chose qui n'est pas bonne, mesdames, messieurs. En fait, lutter contre les variables est une chose qui n'est pas bonne et résider dans l'invariable, mesdames, messieurs, n'est pas aussi important. Il a compris au moins qu'actuellement, la musique est tout un business et il a dit que... Alors, peut-être qu'il y a des gens qui se demandent quoi faire pour que cet artiste parle ou cite mon nom ou mes dédicaces dans ses chansons. Mesdames et messieurs, c'est clair, il a dit que Makambalele Komalango gagna, gagna. Au pied et puis à pied. Voilà. Parlons du changement, celui de la technologie a apporté au moins un autre vent, un vent qui a fait naître des contestations au sein de la jeunesse. Parce que la variation de la technologie a engendré également l'extrapolation des relations de certaines jeunes dames. Et mon invité, comme un bon conseiller, a dit ça. Voilà, il comprend au moins autrement sa logique. Il dit en swahili qu'aujourd'hui il y a plein de chougadadi au sein de la jeunesse en train d'embrouiller les gens d'armes, mesdames, messieurs. Il faudrait également comprendre que mon invité c'est s'imposer et se donner une certaine catégorie professionnelle en disant aussi autrement que sa façon de faire elle est différente de celle des autres jeunes qui ont commencé au même moment que lui et il s'est dit que vous pouvez tous être boxeurs mais des catégories qui diffèrent, chers invités. Alors, il a dit ça pour... Abasta comprendra comment il fait ce qu'il fait pour faire la différence, mesdames, messieurs. Au moins, je suis conscient que ce soir, parce que vous êtes là en train de nous regarder, nous serons tous en mode. Voilà.
On sera en mode Licolo, ladies and gentlemen. Et je vous devrais mon invité. Pour les gens qui le connaissent déjà, ils savent de qui il s'agit. Mais pour vous qui ne les connaissez pas, il s'agit bien de... Je suis jeune, je le sens frais. Appelle-moi Djibril et je suis capable du pire. Voilà, il a les sang frais. Il s'appelle Djibril HD et mon invité. Salut Djibril. Ouais, salut Laïla. Ça va? Ouais, je me sens calme, mais vraiment, merci pour l'invitation. Mais je crois que ça n'est quoi mon 2023. Pas de gens à sentir, ça 2023. 2023, il sentir la ouais, célébrer du telk. Aïe. Aïe, Level, caca. Super. Voilà, chers téléspectateurs, j'ai compris que c'est Djibril. Aujourd'hui, au moins, vous sentez qu'il est très chaleureux et je vous ai annoncé la chaleur dès le début de ce programme. Moi et lui, on commence nos entretiens juste après ça. Voilà, Djibril HD, ça va? Ouais, je vais bien. Toujours? Ouais. Comment évolue ta musique? Comment évolue ta musique? Ouais, ça va, ça va. Et ça comment va, elle était pour le camp de l'année passée? Ouais, le bilan était calme. Calme, Ndjodje? Il y en a positif, il y en a négatif. Et vous, calme. Ndjodje, calme. Ouais. Donc, ouais, c'est calme, Ndjodje bien. Calme, Ndjodje m'gachigach. Kalimé, donc il n'habite pas bien. Ah. Ouais. Donc, oui, bilan, il n'habite pas bien. Ouais. Binini, bilan, au fond, il n'habite pas bien. Rien à voir. Zeus. Ah. Ouais. C'est vrai. Et après, comment tu as trouvé les bilans de la musique du Lalab en général pour l'an 2022? Le bilan n'a pas été bon. Le bilan n'a pas été bon alors que Orfabine doit calmer. On a toujours opposé. Attends, chez mon cadre, il y a sur 100%, vous savez, minorité dans la majorité. Il faut tenir un milieu optique. Donc, à part Oué, selon Oué, Abote, Orfabine. Il y en a parmi, il y a d'autres gens. Il y a eu mon frère, qui ça? Ruben, il a eu à faire un featuring avec M. Joué. Il y a Bartis Benguine Balbarfan, Mohamed. C'est un peu ça en fait. Donc, il voit calmer selon lui. Oui, ça a été calmer. Mon bilan a été bon. Ok. Un jour, bilan, on a l'été. Un jour, bilan. Un jour, bilan. Par rapport à ça, maintenant, oui, il y a qu'on a essayé de voir calmer. Qu'est-ce que tu as fait artistiquement qui prouve qu'il y a qu'on a calmer et qu'il y a pas guiné et qu'on perd de vitesse? Rien à voir avec ce pilule. Oh. Ouais. Il a prouvé que bilan quoi calme. J'ai eu à me produire ma show. Tu as fait combien de concerts l'année passée? Tu sais, concert au Talent d'Aboum. C'était des showcases et tout. Seulement? Ouais, des showcases. Mis à part, il y a Koukassagi. Tu as fait combien de showcases? Ah, j'ai déjà oublié. Oh. Ouais. Alors, quelle équipe, hein? J'ai une équipe. J'ai une équipe, j'ai mon manager. Donc, il faut y aller à ta bilan stratégiquement, c'est notre fond, on choque les autant. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour donc tout. Donc, c'est Jay. Je suis organisé une équipe, ça c'est Igor. Joe, ça c'est dans l'équipe. Hein. Donc, allez passer à votre équipe. Là, il y a. Équipe, il faut remarquer qu'on a des batons. Non, mais après. Ma question était claire. Parce que moi, je m'attelle encore sur ce qu'a été ton année dernière, en fait, tu vois. C'est qu'a été 2022, parce que tu m'as dit que non, voilà, tu avais fait un seul concert à Kassagi. C'était le 25 décembre. C'était le 25, ouais. Et puis le reste de production, c'était de showcase. Ouais, ouais. Donc, ça, ma showcase, on en a idée. Alors que lorsque vous avez une équipe, vous savez au moins évaluer ce qu'a été toute votre année et compter même le nombre de vos différentes productions, bien que c'était de showcase. Lui, dans une équipe, quand on a parlé de Bangala, dans ma fonction, il a parlé de Bangala. Djibril, où on a équipe ou on a équipe? J'ai une équipe. J'ai mon manager. Et avant tout, Bangala? Il y a 400. Ouais. Où on a musicien équipe avant tout, 400? Même si on a un musicien, il y a des gens. Où ça va, Djé? Il y a un nichon. Ah, ouais. Maintenant, il y a un nichon, il y a un homme. Il y a un homme. Quand il y a un homme chant. Anishan, oui, on peut mener à Omcha à pas. Mais non, dans ton équipe, il y a combien? Donc, dis-le, oui, Anishan, on a touché à passer les bouteilles en 2022. Dis-le, on a indélé mon musique. Comme c'est dans l'émission, à te peindre ma action à Anishan, tu vas peindre ma action à Omcha.
Faut comprendre. Je suis un échange, je ne suis pas un méchant. Ok, mais non, mais assez, moi. Dans ton équipe, il y a combien de gens? Il y a plein de gens. Il y a celui qui s'occupe pour la communication et tout. Il y a. Il y a mes danseurs. Il y a... Non, mais Djibril, ok. Tu connais la coutume dans cette émission. Ouais. On aimerait que tu pries pour nous. Avant que l'on fasse. Je ne saurais pas, moi, pas mon route normal. Ah, il y a un problème. Ouais. Ça va dépendre juste de ta façon de faire. Attends, on a peine d'assister tout chez Mesa, tout chez Plateau, Yote, Tenderan, Idoaïn, j'ai tombé pas. Ça va tout dépendre de toi, toi. Kumagochi, tu n'as pas de Kumagochi. Tu peux prier. Quand on est tout ce que Kumagochi, on a une haute voix. Ah, tout ce que Kumagochi, on a une haute voix. Tu peux prier, Djibril. Amen. Amen. On n'en pas comment la sortie à une autre, pourquoi? Talent d'abord, il t'a pas fait un rappel. Il t'a pas fait un rappel. Un rappel, il t'a pas fait un rappel. Il t'a pas fait un rappel. Il combat de vent, bande de froid, chez mon tour, je kiffe mes salons. Ok. Ouais. Alors, 2022 était ce qu'il a été. Ouais. Musicalement, les gens ont défilé sur ce plateau et dire que le bilan était négatif de la musique du Lalaba dans son ensemble. Mais après, on s'est rendu compte que l'année passée, Djibril avait lancé des tubes, des titres, mais après, ces titres n'ont pas adhéré dans le public comme d'habitude. Il y a 2023 qui est déjà en cours. Qu'est-ce que Djibril rassure au public qui consomme sa musique et à ces gens qui savent quand même vanter ton savoir-faire auprès de ceux-là qui jusque-là n'ont pas encore accepté que tu connais la musique? Concernant mon bilan, on a déjà y a parlé sur ça, vu que Boba non négatif. Mais là, 2023. 2023, je prépare un EP. Ok. L'autre fois, j'avais refusé de faire Mamimbo ya Mingi. Vis-à-vis à y a ma soutien, vis-à-vis à soutien. Mais cette fois-ci, j'ai pris la décision de faire mon EP pour la première fois. Donc, Bakou est à l'aise. Mon EP, mon droit majorité. Il y aura tout là-dedans. Donc, Batata pas sauce. Batata pas sauce, c'est un peu. Et t'auras combien de titres EP? Il y aura 5 titres. 5 titres, ouais. Seulement. Donc, il est 5 titres en Fabio T. Ouais. Pas encore. Pas encore, je suis Fafanou. Fabio, toi, tu as dit qu'il y aura une sauce. Ah, tu as bien dans la ville. Mieux on sait que Fabio, tu as un sens. Tu as un maritime. Moi, les 5 titres, mon maritime. Ouais, tu as un maritime, la bière, maritime. Tu as ma danse, tu as ma faux. Tu travailles plus à quoi? Mais je ne sais pas. Il t'a trop à jouer. Kalamingite, déjà. Kalamingite, de jouer. Kalamingite, machu kilogo. Mon machu kilogo, je m'en j'ai gagné. Mon kalamingite. Kalamingite, moi j'ai gagné mon moine. Mon machu kilogo. Bon, ok, Djibril, on va prendre une image. J'ai aimé. Ouais. Le geste que tu as fait, je ne sais pas si c'était toi ou ton producteur. Ok. À Kassagi, tu as visité l'orphelinat, c'était le 25 décembre. Ouais. Tu as décidé quand même de passer la fête de Noël avec ses enfants, avec ses orphelins. En tout cas, moi personnellement, j'ai aimé. On va, chers téléspectateurs, apprécier l'image de ce geste qu'a fait notre artiste musicien avec moi sur plateau. C'était dans la deuxième ville de la province, je crois, c'est ça. Bien sûr. Kassagi. On voit et puis on revient pour la prise de la rubrique Action Vérité.
Djibril a acheté à Rasaji. Ouais. Comment était ton expérience là-bas? Ouais, vu qu'on était arrivé là-bas à Kasaji, il y a eu un numéro comme ça, un inconnu. Un inconnu? Ouais. Ok. Inconnu, tu n'as pas tout qui ouais. Salut, moi c'est manager tel. Je suis un manager, Il faut te partager pas mal là-bas, félin, vu que tu as beaucoup de fanatiques ici et tout. On savait qu'il n'y aura pas de problème. Mais avant de débarquer, À ma grande surprise, j'étais bien accueilli. Ma vidéo déjà, il quoi déjà mal à moi, vu le moment à parler. Je parlais avec les types, mon projet, bingine. Je suis un ami bien, pas vu le bon fraîcheur, on fait là, on va aller de quoi. Après, comment était ton concert? Ouais, ça a été chaud. Mis à part que j'étais malade et tout. Tu étais parti seul ou avec quelques personnes? On était avec les danseurs. Danseurs. Combien de danseurs? Trois, si j'aime trop. Trois, y compris avec mon beatmaker et mon DJ. Y compris ton beatmaker et ton DJ? Ouais. Ok. Donc, à part ta prochaine année en cours, où tu es dans la table du producteur Gassage, apparemment, tu es bloqué après très beau, tu es bloqué. Quand tu es là, bien sûr. Ok, on va prendre action vérité. Après, je me lance au Ratala. Tu sais comment ça se passe. Ouais. Donc, action vérité, tu vas faire le choix et nous, on va poser cette question. Ok, Lim. Action vérité. Vérité. Dans cette vérité. Ouais. Djibril HD. Musique à Moulala, bah, qu'on perte de vitesse, oui ou non? Oui. Pourquoi? Je ne cesse jamais de dire ça. Kusema, Romoubaya. Moulala, Tchouki, Moubaya, ou Moulala, Boum. Tchouki, Anani, envers Tchouki, Abayene, est tombé musicalement parlant. Nashi, Petit, Wabo. Qu'est-ce qui se passe? Explique, fais-nous comprendre. Qu'est-ce qui illustre le Tchoukiabo? Nini n'a démontré c'est bien à Tchouki envers vous. Vu avant, quand Troukwa comme Bartoubeba, comme Label et tout, Baronzo, donc, à ma pendant que Baroni Moukona, ça pas moi, ou qui me m'a dit bien, Koule Oten, oui, Batao changer l'encoupe, Batanza, Koule Otsengine, ou le montant d'Afta ou produire. Exemple, installé Tanjou, mon Ratariana, ou Taran Mandjina, mon émission. Batakuita quelque part parle hier comme un endroit où l'astre s'est mis en boubier en tamala moya bon ben on a ces banates qui nous arrangent bon là bon coule banin dans ça na bon bah chance babaye on est à table se mêler le tout à table manette pas manette donc selon musique comme l'arabe on est dans c'est même pas selon moi selon tout le monde musique comme l'arabe on est dans la kushuka parce que mon endroit qui se met en abîme avec le producteur j'ai raison n'ayez ni point michi aisha ingine. Premièrement, je suis en Tchouki. Deuxièmement, je suis en évolution. Je suis en jeune. Je suis en jeune. Tout le monde artistique. Shinjo, attends, tu m'as expliqué quand même. Esprit à faux. Joue les moteurs à la biche. Surtout. Où est-ce que tu m'as expliqué? Attends, 9000. Bon, tu n'as pas ma masse. Masse? Non. Rome, bah, bon, on va chiner. Chia, balance au chine, la wimba, plageard, mon plageard, balade. Oh, non, elle fait plageard. Attends, En plus, mon émission, tu ne la fais pas pour moi. Tu la fais pour les gens qui nous regardent. Tu sais ce que toi tu comprends? Ce n'est pas tout le monde qui le comprend de la même manière.
Je ne sais pas si tu as un message. Bon, ouais, des choses à quoi ça oui, c'est moi, je suis. Mais non, il n'y a pas la vérité. Vérité, elle est à Kousema. Il fallait que tu te taises. Mais vérité, elle est à Kousha Rocha Ouyanza. Suite, ben, nous allons aller par manette. Par manette, peut-être nous allons aller par manette sur le plateau. Chez vérité, c'est bon. Vérité. Nous allons faire plage. Bon, à tout ça, t'as un petit amont. Kubakouboué, nous allons aller faire plage. Bakouboué, musicien, il fait de gros mbot et bamboula, bamini, ça va choper dans ma plage. Dieu a ma copie à bout. Dieu a ma copie à bout. Ah, ouais. Mais quand même, qu'on a pas la fanny plage. Donc, qu'on a aussi, si il faut compter, soit estimer le nombre, on va faire la plage. On est ce qu'on a là. On va faire la plage. À taba 300. Allez, quoi, bah, rapi. À taba 400. Djibril, ils font la djibou bien. Parce qu'il y a des parents qui nous regardent à la maison. Bah, 400. Est-ce que moi, je vais me mettre à 400 molosi? Toujours bien. Alors, il faut répondre. Réponds seulement bien. Molosi, t'as bien. Toi, tu réponds bien. Ouais. Bah, les gens qui font des choses, ma plagia, bah, les quoi, t'as rapi. À taba 400. Les gens qui ne font pas des plagia. Bah, les quoi, t'as rapi. Banonante. Donc. Bon, ok, action vérité. Vérité à Mouche. Dans cette vérité, ouais. Que tu drogues comme artiste, c'est un fait normal ou anormal? C'est anormal. Et pourquoi est-ce que les artistes les font? Mais je suis artiste, ben normal. Bob Marley, hein, Bob Marley, ouais. Bob Marley. Mais c'est artiste en Mlola. Et Bam Mlola. Mais je suis balé du balanji. Ben, on est sur le conseil, ni pas artiste en drogue. Bah, bien, tu as regardé, bien, ma drogue, bien, courant santé, bien, bitagoga morita, bitagoga moridigi. Donc, tu vois les artistes qui te suivent. Hein? Les gens qui te suivent. Je trouve que d'abord, on a fait maman, mais c'est un peu comme une émission qu'on a là et là. Je suis en train de faire ma drogue. Dans cette action, action et machin, tu changes de faire en fonction de quoi? Y a mis moi quoi mien. Au calim. Tu vois là, moi moi quoi y a nini. Ouais. Tu vois là ma parole. Ouais. Maintenant, imba nini version rumba. Nini version rumba. Tu vois ma parole là quoi? Inquiète ça pour rumba. Bon, Nini, n'a pas ça, Yulu, hein? Mais juste ma parole. T'as foutu un rythme, rumba, l'on a peine, un rythme, et tu es tout rumba. Mais après, ma parole est quoi, Yamouni? Laï. Bon, rumba. Après, tu es bien, mon ami, tu es ça, mon afro. Mais après, tu as regardé mon rumba. Tu es mon afro. Hey, mais mon père boule, abba chéri, ba ma iPhone, bandeau à tourner maï. Abba chakou l'été na âge, bena, beba na bazazi. Adaba l'obaka qui risque rien à rien, ya bino ya boue gazi. Kopenda concurrence, ana. Voyez mouzazi. L'otama, ça va, tu es laissé aller ma parole, Mourumba. Je sais pas qu'il y a ma parole. Là, il est Mourumba. Si vous êtes depuis, Mourumba est à maman. T'as fait tout style. T'as fait un beat, un musicien, moi, vous sont maîtrisés. Pas de la prendre ma parole.
C'est pas normal, c'est ce rumba. Là, il est. On a eu un maïdé, moi, qui est une femme à scandale. Attends, non, moi, je fais scandale. On comment nous sommes fait scandale. Attends, version rumba, c'est pas normal, il suffit tout le temps pour nous faire. Rumba. Mon rumba. Avec ma voix ici. Mais plus, mais plus. Avec ma voix ici. Là, il est. Que dalle. On a planté. Je ne saurais pas. On a planté. Je vais vous entendre dire que tout ça, c'est pas normal. Tu veux que ça me rumba. Là, là, c'est quoi un théâtre? Non, oui, ouais, quand même le théâtre tourne. Maman a comédie dimanche. Oui, quand même tourne. Je ne saurais pas. Bon, elle a ma parole sur ça. Ah, pas. T'as une baille de comment ça se passe? Oui, depuis la nuit des temps, les Congolais corrompus autant, oui, ça je l'ai dit ouvertement, mes chagos ça déguisent. Mon province à mon amakaji, qui la chigotuna te somaï, mon chigoula la ramouchi, tuna la la ma roupa grec. Et en parole, prenez un rumbo en Chine. À moi, en moi, quand on habite à rumba, quand on me prépare à ta bite, je vois. Toi, Néné, où est-ce que tu es artiste? Là, il a été un peu. Où est-ce que tu es artiste? Avec ma voix ici. Ok. Action vérité. Vérité à Mouncho. Vérité à Mouncho. Ouais. Djibril HD. Anishan. On dit que tu en abuses de trop. Chaque fois que les gens qui fréquentent les boîtes de nuit, oui, font dans des boîtes, en tout cas, il est impossible que Mountou ait demandé ma boîte ou un naga mon week-end à Chikoukoutemo. Ok. Tu es en boîte tout le temps. Tu le reconnais ou non? Je dirais non. Non. Kutoka, Kutoka, c'est par exemple quand on est en boîte. Tu n'as pas en boîte. On a des amis, on a ce qu'on a. Tu n'as pas ça, moi, vite. Vous avez ce que vous avez. Vous avez quoi? Bah, master. Bah, banini et tout. Banane. Bah, petit et tout. Ah. Na balé. Bah, na balé, na beau. Pas de nom la biwazie. Na beau. Tu n'as pas ça, moi. Pas de nom la biwazie, non? Ah. Et puis, mon atora. Ton atora, ça m'a venu dans la gouine à la taille. Comme un maï, on l'a redit. Mais quand on a mis la chouba en l'année. Tu ne vois pas que c'est en train de tâcher ta casquette d'artiste? Ni moral. Bah, le bout de moi, c'est ma vidéo. Ou là, il n'y a pas de message. Il a adressé un message. Il n'y a pas de boîte. Il m'expliquait. Il n'y a pas de boîte. On n'y a pas de boîte. On est filmé, on te met là, il a numéro, Merci, c'est un plaisir pour nous de te recevoir. Nous sommes impatients de suivre Michel. Merci pour l'invitation et tout. Voilà, chers téléspectateurs, c'était Celebrity Talk. J'ai dit coucou à Junior Moukebo Kanyepa, les community managers. Andy Mafuta, Axel Zama, nous vous disons salut. Moïse Matembo, autorité morale. À la prochaine.